Ce sont les premières images de l'opération dévoilées par le Pentagone. On y distingue un commando de soldats américains s'approcher discrètement d'un camp dans le nord de la Syrie. C'est là que se cache Aboubakar al-Baghdadi. Puis, le signal est donné. Des drones frappent plusieurs cibles avec une précision chirurgicale. L'opération est un succès et le Pentagone apporte plus de précision sur la mort du chef de l'État islamique. Aboubakar al-Baghdadi a bien fait exploser la bombe qu'il portait sur lui. Mais la détonation a tué deux jeunes enfants et non trois, comme les États-Unis l'avaient initialement affirmé. Six autres membres de l'organisation terroriste sont tués dans le raid. Du matériel électronique et de nombreux documents sont saisis. Depuis ce raid, Washington accentue la pression sur le groupe État islamique en multipliant les opérations. Mardi dernier, Donald Trump a annoncé la mort du successeur d'Aboubakar al-Baghdadi. D'après la chaîne américaine ABC, il pourrait s'agir d'Abu Hassan al-Muhajir, le porte-parole du groupe. Dans la nuit de lundi à mardi, nouvelle opération anti-EI, la troisième en 36 heures, toujours dans le nord-ouest syrien. Cette fois, ce sont des complices présumés de Daesh qui sont arrêtés par les forces spéciales américaines. Des opérations qui ont permis au Pentagone de mettre la main sur des documents et de précieuses informations. L'échelon supérieur de Daesh pourrait donc continuer à subir des revers.